savoir quoi. C'est 7h45 et j'avais prévu de me lever à 6h30 puisque je dois partir dans vraiment genre 5 minutes. Et en fait, je viens de me réveiller. Je me suis vraiment réveillée genre à 35. Donc pas de douche, pas de skincare, rien. J'ai pas eu le temps. Là, je suis vraiment genre habillée comme ça. Donc écoutez, là je pars 2 heures comme ça. Je suis limite pas réveillée. Et elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit: j'attends de toi que tu sois un peu plus réveillée que la dernière fois. Et ben je crois qu'on est un peu mal. Bref, mais c'est pas grave. Du coup je vais conduire. Je conduis, bah, du coup là je vais bientôt partir. Et après je vais rentrer là. Et je vais préparer 2-3 trucs pour mon anniversaire. Et après cet après-midi je vais chez mon copain. Bon, toujours je vais déconnecter, hein. J'en peux plus de 6 heures de conduite, ça me saoule. En vrai, je sais pas qu'est-ce qui me saoule dans l'auto-école, mais il y a un truc qui me saoule. Normalement, elle m'a dit, il me reste entre 1h et 1h30 de stationnement, et après j'ai fini, parce que là, en gros, là, je suis allée sur l'autoroute. Je vais pas vous raconter, parce que sinon, ce serait un trop long coup de gueule. Donc on abandonne, je pense, cette étape. Je pense qu'il y a personne qui a envie de savourer cette étape de coup de gueule de Lily sur l'autoroute. Mais voilà, donc c'est bon, je suis saoulée. Bref, encore je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça, mais comme ça, voilà, au pire. Comme du coup je me suis levée max sur retard ce midi, oui, t'es fatiguée Lily. Ce matin, j'ai faim. Mais en fait, genre je sais très bien que genre si je déjeune à 10h, mon estomac il va plus avoir faim à midi. Cherchez pas, je connais mieux mon estomac que personne. Il est aussi aigri que moi, donc c'est compliqué. Bref, non, en vrai, voilà. Donc sinon, pendant ce temps, maman est allée voir par rapport à mon gâteau d'anniversaire. Pour vous dire, même moi, je sais pas à quoi je vais me retrouver. Mais au pire. J'ai demandé un gâteau dans le thème, hein. Un gâteau rouge et blanc. Oui. Donc on verra. Ça se trouve, ce sera un gâteau. Normalement, c'est un fraisier. Et à côté, bon, écoutez, on verra bien ce que c'est. Bon, au moins, il y aura un gâteau, Lily. Au moins, il y aura un gâteau. Et au pire. Oui, et puis. Il y a plein de petits. Maman a pris plein de petits gâteaux. En fait, vous savez, plein de mini trucs. Et comme on a des grandes planches, en fait, on va les mettre directement dessus. Donc sinon, c'est parfait, il y aura ça. Ça devrait être joli normalement. Mais normalement oui, déjà ça devrait être très joli. Bon, maintenant il y a juste le temps qui va pas, toujours pas. Maintenant ouais. Ils ont rajouté de la pluie. T'as vu la météo, elle me plaît pas en vrai. Parce que voilà, vous voyez les barres bleues. En gros Il pleut quoi. Pile dans la durée de mon anniversaire, ça me saoule. Ah, c'est pas grave. On va rester dans le déni avec, avec cette pluie pourrie. Bon du coup écoutez. C'est bruyant. Je suis rentrée, désolée, il y a un maxi contre-jour. Là, du coup, je vais aller me laver parce que je me sens en fait dégueulasse. Je devais me laver ce matin, je me suis fait en retard. Je pense, ouais, après, je vais juste me préparer en dospi. Oh, un peu plus. Maman, elle m'a acheté un petit nouveau déodorant là. Bah, ils sont très bons. Elle m'a dit, restez plus que celui-là. Bah, écoute, ça va bien. Bref, voilà. Donc du coup là je vais aller me laver. Et après je vais faire un petit peu de montage du coup. D'ailleurs donc ce vlog sera peut-être un peu court, parce que là c'est cet après-midi. Donc si vous voulez, je vais ce midi je vais manger chez mon copain. Et je reste en fait toute l'après-midi chez lui. Donc du coup ce vlog sera peut-être un petit peu court, puisque bah, je vais pas spécialement filmer chez lui. Je ferai peut-être des prises au téléphone, parce que je vais pas emmener la caméra chez lui. Aussi, avant de partir, il faudra que je fasse l'affiche Sweet 16. Et je l'ai toujours pas fini, je pense. Genre vraiment ça peut me prendre genre 10 minutes. Il faut que je la fasse absolument, parce que sinon j'aurai jamais le temps en fait. Et après je vais me retrouver samedi, je vais faire ah ouais bah oui. Je vais me laver, écoutez. Parti. Au niveau de ma tenue, ma voix elle est partie très loin. Je pense que je vais mettre ce t-shirt. Ah, il est à l'envers. Je pense que je vais mettre ce t-shirt là de chez Pull&Bear. Hop là, tac. Il est trop mignon. Tout à fait avec juste un pantalon noir. Ça va bien, non? Ça va super, ouais, c'est bien, en vrai. Je m'habille, faut que je fasse ma skincare quand même, minimum. Parce que du coup, j'ai même pas pu faire ma skincare ce matin. J'avais trop le seum. Vraiment. Bon, du coup, c'est bon, je suis habillée. Je vous avais dit, hein, simple et tout. Juste, maman, en fait, elle m'avait fait une remarque qu'en fait, mes cheveux sont longs. Alors, personnellement, en fait, comme bah, en fait, on les voit pousser nous-mêmes, je m'en rends pas compte. Mais en fait, j'ai quand même l'impression, c'est vrai que quand on me le dit, bah, en fait,
déjà je suis contente. Bah genre en fait avoir les cheveux longs, t'as vu le projet cheveux longs, ça fait très longtemps qu'il est présent. Sauf que j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à avoir bah, ce projet cheveux longs finalement. Mais du coup en fait, bon là encore c'est mes cheveux naturels donc ils sont comme ça. Mais du coup lisses, ils sont encore un peu plus longs. Sauf qu'en fait mes cheveux là, on a un problème. Il y a une partie beaucoup plus longue que l'autre. Du coup ça veut dire en mode si vous enlevez ça, voilà, on dirait que j'ai un carré. Peut-être pas non plus mais quand même, voilà. Vous avez vu en fait vraiment genre j'ai mes cheveux en fait ils sont pas dégradés hein, ils se dégradent naturellement genre en fait voilà ils sont tellement abîmés qu'ils se cassent tout seuls. Je sais plus quoi faire. Écoutez on est reparti hein, parce que vraiment j'ai l'impression premier degré ça fait quelque chose à ma peau. Vous voyez bien de ce côté, si vous comparez par rapport à il y a un petit bah depuis le premier vlog, je vous jure que ça part un peu. J'étale vraiment très aléatoirement. Si vous avez des produits à conseiller en vrai pour l'acné ou des trucs comme ça, dans les commentaires, allez-y, hein, ne vous gênez pas. Hop là. Voilà. Écoutez, maintenant, bah, on attend. En attendant, on va préparer une petite trousse maquillage, enfin, petite la trousse. Hein. En fait, quand je vais chez mon copain, j'emmène jamais réellement beaucoup de trucs pour me maquiller et tout. Petit primer ELF. Oula. Même la trousse, elle est choquée. Bref, dans la trousse. Anti-cernescence, petit blush milk, petit gel pour les sourcils, les petits produits pour prendre soin de mes cils, un peu d'highlighter, beauty blender et pinceau. Voilà pour le maquillage, écoutez, on va faire la skincare maintenant. I don't give a shit. Je ne sais pas quoi emmener. Petite lotion Lancôme, il n'y en a plus beaucoup. Petit sérum pour les imperfections. Petit soin contour des yeux. D'ailleurs, c'est Aromazone et la Provençale. J'ai complètement oublié de vous dire. On en faut une crème. Mon petit soin pour les boutons parce qu'ils ne me quittent plus. Et pour finir, petite crème hydratante de chez Bioma. Et donc oui, je ne prends pas de gel nettoyant parce qu'en fait, il y en a un, il reste constamment chez lui. Et c'est de même pour la brosse à dents. Donc voilà, c'est simple, mais c'est complet. Bon, faut que j'aille enlever ça et que j'aille me brosser les dents quand même. Hein. Ok, j'ai presque fini de préparer mes affaires. J'ai juste fait ma skincare. Écoutez, on va enlever déjà tout ce qu'il y a sur mon lit. Le cadre est tellement mal fait, on voit rien. Oh non, j'ai failli oublier mon doudou. On va défaire mon lit. Pour une partie de fun en vrai. Défaire mon lit parce que du coup, comme je vous l'avais dit, en fait, il faut que du coup mes draps soient propres pour quand il y aura ma mamie qui va arriver. On va faire un semblant de lit. Et tada! Du coup, écoutez, je vais descendre et je vais faire un petit peu de montage du coup du vlog de qui va être publié ce soir là. Et voilà! Maman, là, elle est en train de blablater. Il y a des petites personnes chez moi. Du coup, écoutez, en fait, j'ai vu, elle a commencé le montage. Du coup, il reste environ 40 minutes à monter. Sachant que je suis là encore pendant 10 minutes, puisqu'en fait, là, du coup, bon, j'ai juste fait un petit peu de rangement en bas. Donc jamais j'aurai le temps de finir avant que mon copain vienne me chercher. Mais c'est pas grave. Non, en vrai, je vais avancer un maximum. Je vais vous faire un petit accéléré jusqu'à que je parte. Donc en gros, l'accéléré va être très court. Il y a un Sony Angel, il s'est perdu là. Je sais pas si vous le voyez. Trop mignon. Y'a rien du tout à part des lettres. Ok. Et je suis censée recevoir un truc la Provençale, si jamais. Voilà. Regardez qui c'est qui vient me voir pendant que je fais le montage. Il est trop chou. On continue. Mon copain est parti de chez lui, d'ici un quart d'heure il est là. Bon les gars, je sais pas trop ce qui est en train de se passer. Genre là en gros là, j'ai le ciseau pour couper et je sais pas pourquoi il veut pas couper. Ça m'énerve genre. Je suis en colère. Genre il coupe pas. Comment on fait? Je vous jure. Ah mais... Par contre, premier degré, ça vient de couper. C'est bon, ça remarche. Bref, maman, quand elle va mettre les rushs sur la timeline de ce vlog-là, elle va faire oula 16 minutes. Voilà, écoutez, je vous laisse. Et en tout cas, vous pourrez retrouver ce vlog ce soir, mais du coup, au moment où cette vidéo sortira, bah normalement, il sera déjà publié depuis hier soir. Bref. Écoutez, je pars avec clairement mon téléphone. Je suis désolée, la qualité du son, de bref, de plein de trucs ne vont pas être dingues. Mais en fait, du coup, je voulais juste vous dire, en fait, là, on est en train de se promener chez...
21h et des brouettes, je crois. Non, en vrai, là, du coup, on a fini de manger. Ils sont trop choupis. Ils m'ont offert des cadeaux. Vraiment, ils auraient pas dû. C'était trop mignon. Et voilà, vraiment, ils m'ont trop gâté. Enfin, bref, c'était trop mignon. Et du coup, en fait, là, on est vraiment en train... Et mon copain d'amener un sac de couchage à une amie. Parce qu'en fait, elle en a besoin demain. Donc, du coup, on lui amène parce que j'avais oublié de lui rendre. Mais voilà. Bref, c'est pas grave. Voilà. Juste, je vous laisse guetter un petit peu la vue. C'est mignon. C'est trop chou. Bref. On continue de marcher finalement. Ouais. Mais Star, écoutez, on se retrouve toujours avec une qualité complètement pourrie en fait. Voilà, je dis complètement, genre j'ai pris la caméra tout à l'heure et en fait j'avais même pas regardé, je n'ai pas pris de carte SD. Voilà, à peu près. C'est pas grave, donc voilà, on se retrouve avec une qualité des plus déplorables et un son toujours aussi pourri, c'est pas grave. Donc écoutez, nous on va se coucher parce que vraiment là je suis claquée, je crois c'est 23h30, minuit presque, un truc comme ça. Et voilà, donc nous là on va dormir et comme ça, bah après demain, vous allez voir, c'est le début des vraies choses de mon anniversaire, ça va être trop bien. Mais c'est quoi ça? Écoutez, du coup demain on se retrouve dès que je me réveillerai, dès que tout ça, bref. Et sur ce, j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à très bonne vidéo. Bye bye tout le monde.